Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, petite vidéo chill, tranquille, on va parler, on va discuter. Là, faut savoir que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes à J-1 d'un entraînement de football américain. Parce que, ouais, je vais faire un entraînement de football américain demain. Et c'est, tu vois, l'entraînement de reprise pour tout le monde. Parce que là, ils sont partis en vacances, là, ils se reposent un peu. Et c'est un entraînement de décrassage pour voir. Qui est au niveau, qui est plus haut niveau, qui s'entraîne pendant les vacances. Et moi, je vais venir faire cet entraînement-là. Et c'est aussi un entraînement de découverte du football américain. Donc ça va être génial. Et là, on dirait pas, vu que ce mois d'août-là, je suis à une vidéo par jour. Mais ça fait au moins 6 jours que je me suis reposé. J'ai rien fait. Je me suis mis en mode chill. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé le concept une vidéo par jour pour ce mois d'août-là, et ben, il y a des jours où je faisais 4-5 vidéos, histoire d'être tranquille, histoire que les jours où je suis fatigué, je puisse me reposer, je puisse rien faire. Donc là, ça fait quelques jours que j'ai rien fait, que je me sens plutôt bien, mais aussi que je me suis fait mal, d'accord? Je me suis blessé, enfin, je me suis blessé, je me suis pas blessé. J'ai une petite douleur à l'épaule, tu vois? Et une douleur à l'épaule, c'est des douleurs où il faut vraiment faire attention. J'ai déjà une douleur au poignet, là, j'ai une douleur à l'épaule, là, il faut vraiment faire attention, d'accord? Et ça, c'est pas dû au mauvais mouvement, exécution et tout. C'est vraiment dû à la surcharge de travail, tu vois. J'ai beaucoup bossé jour, nuit, que ce soit pour les vidéos YouTube, que ce soit pour des projets aussi clients, des projets perso. Donc, ce qui fait que j'avais pas beaucoup de repos, ce qui fait qu'une fois mon alimentation, c'était compliqué, tu vois. Donc, mon corps, il m'a montré que il faut se reposer. Donc là, j'ai un peu écouté mon corps, d'accord, et je me suis reposé, c'est important. Moi, cette semaine, mes entraînements étaient plutôt calmes, plutôt tranquilles, plutôt soft, comme je savais que le lendemain, là, le 27, parce que ouais, c'est le 27 que je vais faire mon entraînement de foot américain. Cette vidéo ne sortira pas le 27 ou le 28, un peu plus tard, malheureusement. Mais ouais, je savais que le 27, j'allais reprendre le foot US, donc je me suis dit, je vais me préparer tranquillement pour prendre cet entraînement dans de bonnes conditions, tu vois. Donc j'ai fait beaucoup les jambes, beaucoup les mollets, parce que je sais que quand je fais du sport collectif, c'est mes mollets qui lâchent en premier. J'ai très très mal aux mollets. Et mollets, ischio, quadri. Et haut du corps, on était sur du renforcement pur, d'accord? Parce que le haut du corps, il est là, il est solide, il est bien, mais on était sur du renforcement, série longue, charge légère. Et franchement, c'était très très dur cette semaine parce que je pouvais pas m'entraîner comme je le voulais. Je pouvais pas envoyer des grosses charges, notamment au niveau des pecs, parce que voilà, j'étais frustré. En fait, quand j'allais à la salle, j'essayais de faire un développé couché et je voyais que j'avais une douleur, je me suis fait, putain, je vais pas soulever lourd, ça m'énerve. Donc j'étais un peu découragé, un peu démotivé. Mais ça m'a permis de rajouter du cardio pour bien m'épuiser à la fin, pour faire les choses bien et continuer à aller de l'avant. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on est blessé à un endroit, c'est parce qu'on a mal à un endroit qu'on peut rien faire. Donc, je peux faire les jambes, je peux faire le dos, je peux faire les biceps, je peux faire encore plein de choses. Mais je vais traiter ça, je vais voir comment je vais faire. D'ailleurs, pour traiter ça, ben, le collagène, hein, collagène, BCA, j'en ai plus, mais je vais en reprendre le mois prochain. Oméga 3. J'en ai et tout ce qui est alimentation saine, d'accord? Légumes verts à fond et essayer de donner beaucoup de repos à mon corps. Et aussi, je sais que j'en avais parlé dans une des vidéos, j'ai un pistolet de massage. Il y a 2-3 ans, j'ai fait une vidéo sur ça pour dire que ça servait à rien et tout, c'était de la merde. En fait, cette vidéo-là était plus pour but de dénoncer certains influenceurs qui parler de ça comme un outil révolutionnaire qui disait que en mode genre il faisait une série de développé couché à la salle, après il se massait, après il faisait une autre série et il disait qu'ils avaient gagné du muscle grâce à ça. Donc non, ça sert pas à ça, mais quand tu te masses un peu, ça te soulage, ça te fait du bien. Moi, où il me sert beaucoup, c'est au niveau des jambes, d'accord? Quand je cours beaucoup, quand je fais beaucoup de cardio et tout, franchement, j'ai des courbatures aux jambes, bah, ça me fait du bien. À l'épaule, j'utilise un peu, j'ai un peu traité, et puis voilà, mais franchement, pistolet de massage, ça fait du bien. Donc là, vu qu'on est parti sur une vidéo bilan et tout, je vais te parler un peu de ce qui va se passer, de ce qui va arriver, d'accord? Mois de septembre, prise de masse et tout, malgré la douleur à l'épaule, parce que je vais bien me reposer, histoire de bien récupérer, c'est important. Les programmes bras haltères, il faut que je les fasse, d'accord? Il faut que je les fasse, ça va sûrement sortir en septembre, parce que je sais qu'il y a plein de frérots, ils m'ont dit, bon, dame, ça fait des programmes avec barre et tout, mais je vais les haltères. Je sais que les programmes avec barre, vous pouvez les faire avec haltères, vous pouvez, c'est le même mouvement, mais je vais faire ces programmes avec haltères quand même. Je vais en faire deux ou trois, comme ça on sera tranquille, on sera bien et tout le monde sera content. Il faut juste que je trouve le temps de les faire. Et
Je vais te préparer ma prise de masse intelligente, d'accord? Malgré la douleur à l'épaule, je vais te préparer des vidéos parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'on va faire la prise de masse ensemble. Et franchement, je vous remercie parce que ça me fait plaisir de voir qu'on soutient autant et qu'on va partir dans la même merde en prise de masse ensemble, sachant que la prise de masse, on est tranquille, d'accord? On est bien, on mange bien, on pousse dur, on est bien, mais on va partir en guerre ensemble et ça fait du bien. Mais dans tous les cas, juste après cette vidéo, je vais te refaire une vidéo encore pour t'expliquer tous les détails, d'accord? Tout ce que je mets en place pour la prise de masse, comment je vais faire. Et il y aura une vidéo qui va s'appuyer un peu sur mes points forts, mes points faibles, comment je vais constituer mon programme, parce que je vais détailler tout mon programme. Je vais tout te donner, d'accord? Ça veut dire que si tu veux faire une prise de masse avec mon programme, mes programmes, parce que je vais tout faire, et ben tu pourras la faire. Sinon, si tu veux t'adapter à ton corps, comment moi je le fais, et ben tu pourras le faire, d'accord? Je vais vraiment faire en sorte de t'aider et t'accompagner au maximum. Je vais te montrer comment je procède. Et aussi très important, l'équipe du 1er au 12 septembre, d'accord? Il y aura l'Impact Week, ok? Sur MyProtein, je vous le dis en avance, ok? Je vous le dis en avance, il y aura des nouveaux produits, il y aura des promotions, il y aura tout. Je n'aime pas si je vais le dire en avance, c'est pas grave. Il y aura des promotions, d'accord? Donc, pour être les premiers, pour être tranquille, il faut être à l'affût, d'accord? Il faut aller dans mon lien. MyProtein, code DAMS, et tu fais tes achats tranquillement. Ok, si tu veux être bien, tu prends tes compléments, faire les choses bien et tout. Et de tous les cas, moi, quand début septembre, je ferai ma commande MyProtein et je te ferai un unboxing. Unboxing spécial prise de masse. D'accord? Je vais prendre des produits pour la prise de masse. Et je te dirai ce que j'ai pris, pourquoi je l'ai pris, comment je vais prendre et tout, et voilà. Donc voilà, le code DAM sera indispensable pour bénéficier de toutes les remises sur le site de MyProtein, parce que c'est important. Il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse les choses bien. Sinon, moi, je voulais te remercier pour tous les commentaires, tous les messages. D'ailleurs, c'est un peu dur de répondre à tout le monde, parce que quand tu fais une vidéo par jour, tu as des commentaires tous les jours, et des commentaires sur les autres vidéos et tout. C'est un peu chiant de répondre à tout le monde, c'est difficile, c'est fatigant, surtout quand je travaille tous les jours. Mais j'essaie de répondre à tout le monde, d'accord? Et pour ça, je vous en remercie. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui m'ont posé des questions qui auront une réponse dans une vidéo dédiée, d'accord? Donc, merci pour vos commentaires, merci pour les partages, merci pour le soutien, merci pour la force. Sachant qu'en ce moment, je fais aussi des YouTube Shorts, donc merci aussi pour tous vos commentaires sur les YouTube Shorts. Je sais que ça peut être chiant pour certaines personnes de voir des YouTube shorts, de voir des contenus YouTube complets. Mais les gars, c'est l'algorithme de YouTube. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Les YouTube shorts, j'ai commencé depuis le 12, il me semble. Et j'ai gagné 80 abonnés via les YouTube shorts, tu vois. Donc je me suis dit, si je peux gagner des abonnés et monter un peu plus vite, eh ben on va faire des shorts, ok? On va faire des shorts, on va faire des vidéos normales, mais on va pas faire que des shorts non plus. J'essaye de faire beaucoup de shorts. Je sais que ces derniers jours, je suis passé à deux shorts. Dans la journée, je vais voir si je vais continuer à maintenir ce rythme-là. On va voir c'est comment. Et puis voilà, on va continuer à monter comme ça. Bah sinon, moi je vais te laisser ici. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. C'est une vidéo tranquille où juste on discute, hein, d'accord? On est bien. Moi j'aime bien parler avec toi et t'informer un peu de la situation. Et aussi, enfin je sais pas si je l'ai dit, mais je partirai en vacances très prochainement. D'accord? Parce que de base, je ne vais pas partir, mais j'ai décidé de partir. Donc, je te dirai ce qui va se faire et tout. Peut-être dans la vidéo juste après, parce que je te fais une vidéo après. Et puis, voilà. Si t'aimais la petite vidéo, mets un petit j'aime, un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Parce que oui, là, on est à 56% des personnes là, qui ne sont pas abonnées, qui regardent. Abonnez-vous, les gars. Je ne suis pas à 100K encore. Donc, quand je serai à 100K, là, ça va. Mais là, voilà. Aider un petit youtubeur, c'est important. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.